Ah, bonjour, on est à quelques minutes de commencer. Je suis à la veille de délaisser mon rôle de non pas d'animateur, mais de technicienne. Mais avant de quitter sur cette note-là, je voudrais seulement avertir tout le monde que pendant les périodes de présentation, on vous demande de ne pas faire d'intervention. On va prendre les questions après. Pour intervenir, je vous demande d'utiliser la petite main qui est en haut, juste en haut de l'écran, en haut de la caméra. Vous avez une petite main. Si vous cliquez là-dessus, vous avez plusieurs états. Et si vous voulez lever votre main, ou si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous avez différentes choses. Alors, si vous voulez prendre la parole, je vais vous demander de lever la main. Et à ce moment-là, je vais vous donner accès au micro sans problème. C'est vraiment plus facile de s'y retrouver de cette façon-là parce que les micros vont être fermés pendant les présentations. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Marcel pour les présentations et dès que Marcel aura terminé, je vais enlever les accès à la caméra, excusez, au micro. Lorsque Marcel aura terminé. Merci Carole. Alors, je suis Marcel Parr. Aujourd'hui, j'aurai pour mission de faire une courte présentation des animatrices. Alors, bonjour et bienvenue à cet atelier de la CCP. Tout d'abord, quelques consignes. J'aimerais rappeler que l'atelier est enregistré, de même que l'interprétation. Concernant l'interprétation, pour ceux et celles qui utilisent le service d'interprétation vers l'anglais, vous devez toujours utiliser le microphone de votre ordinateur pour faire une intervention. Pour les francophones, lorsque vous intervenez, pour faciliter le travail de l'interprète, il serait préférable d'avoir, si possible, un débit moyen, pas trop rapide. Enfin, j'aimerais remercier notre commanditaire, SVI e-Solutions, pour nous permettre d'utiliser leur outil web de conférence VIA. Cette sixième série d'ateliers porte sur le thème la conception pédagogique et la création. Parmi les compétences du 21e siècle, la créativité est considérée comme essentielle. Celle-ci prend plusieurs formes. Comment la créativité intervient-elle dans le processus de conception? Est-ce qu'être créatif y est essentiel? Comment mettre à profit la créativité et pourquoi? Guidés par les réflexions des conférenciers et des conférencières, les ateliers de la série 6 abordent ce thème sous divers angles. D'une durée de 10 à 15 minutes chacune, les deux présentations d'aujourd'hui seront suivies d'une période de questions d'environ 30 minutes. D'abord, Mme Gail Diane Kopp abordera le thème Courage, cinglé et créativité. Après une période de questions d'environ 30 minutes, Mme Carole Roy présentera le deuxième thème, Créativité et conception pédagogique des synonymes. Permettez-moi d'abord de vous présenter Mme Kopp. Gail Kopp, PhD, est une professeure agrégée émérite en technologie éducative à l'Université de Calgary. Antérieurement, elle a occupé divers postes, dont ceux d'enseignante dans une école publique, de développeuse de logiciels éducatifs, de consultante privée et de professeure d'université. Elle possède plus de 30 ans d'expérience en conception pédagogique dans les secteurs de l'industrie, de l'aérospatiale et dans le domaine médical, y compris du travail avec l'Agence spatiale canadienne, Canadarm2, et le neurochirurgie robotique. À l'Université de Calgary, ses recherches tournaient autour de la conception pédagogique, de la simulation et des environnements virtuels. Maintenant à la retraite, elle travaille actuellement avec des vétérinaires pour développer la simulation virtuelle par approche vidéo de patients animaux et avec des chirurgiens pour adapter leur formation à une conception axée sur les compétences. Sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Kopp.
Gail, you can go ahead. Good morning, everyone, and good afternoon to those of you in the East. I'd like to talk to you today about creativity, some of its good points for sure, but also about some of the issues and problems that I've come across over the years. Mostly, I would like to share a few stories and a few lessons that I've learned over the years. First, let's look at some of the reasons why creativity. Actually, the research would indicate that there are a good many reasons for wanting to be creative and to develop creativity. I've put down four that are meaningful for me. The first one, the ability to be creative, is a desirable skill and attribute for jobs in this day and age. Just yesterday, I was reading in the Globe and Mail an article on how to spark creativity in the age of artificial intelligence. Bob Moritz, the chief professional development officer at PricewaterhouseCoopers, says, "We are still looking for creativity because that can't be coded. The world we're living in today is a lot more zigzag, and people are going to be important to that equation." A second reason for creativity is that it lends itself to teaching the higher levels of learning. I've tried to show this here using Krathwohl's revised Bloom's taxonomy on your screen. As you move from left to right through the columns, the level of learning increases. For example, it's better or it's higher level learning to be able to apply knowledge than to just remember it. Notice that create is now at the highest cognitive process. Creativity also supports divergent thinking and fosters imagination. It supports problem finding and problem solving. I'd like to share a story that illustrates these three claims. So in one of my graduate university classes, I had introduced the class to Second Life. For those who aren't familiar with Second Life, it's a free 3D virtual world where users can create environments. They can interact with the environment and with each other from around the world using voice and text. Well, several weeks after this Second Life introduction in the class, one of my graduate students who taught information technologies at one of the middle schools came to me and said, "Gail, you've got to come and see what some of my boys have done." Well, I went to see them. The boys showed me what they had done. Because they were reading a book by Pearl S. Buck, The Big Wave, set in a Japanese village, and because they were studying Japan in social studies, the boys had decided to build an entire fishing village in Second Life. We walked around the village and they were tour guides, and I was really impressed. However, I just happened to ask a very simple question about how they had done the trees. "Oh, that," they said, "we contacted a subject matter expert and he told us how." The boys then proceeded to give me a blow-by-blow description of how they had created the trees. But what really struck me is they were using terms like polygons, translation, rotation, oblique angles, acute angles, adjacent angles, randomization, diameter, radius, circumference, vectors, coordinate frames. The whole thing was amazing. They were so excited. They were so comfortable in using these terms, you knew that they not only knew them, but they would actually have them for the rest of their life. So we've looked at some of the good reasons for wanting to be creative and for wanting to develop creativity, but I found there's a bit of a price to creativity, some issues and problems. I've listed some common ones that I've come across in my time. What does my client know about what might be possible? What if my target audience doesn't want to be creative? What if the instructor doesn't want to be creative? What about cost or lack of access to technology or availability of resources? These are still questions that I ask every time I decide to be creative. And there's still a bit of a clutch as I remember what I may have to face. The quote by Henri Matisse comes to mind, "Creativity takes courage." So I'd like to tell you a few stories about some experiences I've had with implementing creativity, some successful and some, well, leaving me worried that I come across as being a crackpot.
So what does my client know about what might be possible? It was my very first contract as an instructional designer. I was going to be working in Toronto with the Canadian Forces Staff School. And this was a training facility for military personnel that the military decided could be promoted from captain to major. These people studied everything from manners and dealing with social situations to military tactics. They're probably the most polished group of individuals I've ever met. The instructors that I was working with told me exactly what they wanted. They picked the topic, and it happened to be subjunctive clauses in English grammar, and they decided that computer-based training was what they wanted. They also told me how they wanted it to work, how it was to look, what the interaction should be, what the feedback should look like, and so on. In fact, it resembled the traditional classroom transferred to the computer. The project actually worked out very well. I gave them exactly what they asked for, and they were well satisfied until just before the project was finished. At that time, my main subject matter expert came out west for a meeting instead of me going to Toronto. And of course, I wanted to show her a few of the other projects that I was working on. These included simulation and video disc interactions and some project-based training, a game. Everything was much more creative and exciting than grammar and the text-based approach that they had wanted. I remember her turning to me to ask, "Why didn't you tell us about any of this? Why didn't you tell us what was possible?" And the only thing I could answer was, "I thought you knew." So the takeaway from this particular contract was, don't assume that the client or the teacher knows everything that you know. Help them be more creative. Also, with every suggestion I make or proposal that I put together, I provide options with some information about the options and the rationale for each one to help their decision making. I usually use the pattern minimal, optimal, and recommended. A second issue, what if my target audience doesn't want to be creative? Unfortunately, you don't usually find this out until you have already crossed the line with respect to what the target audience might find acceptable in creativity. Here are two stories on the crackpot side. First of all, Bizzle Soap. I was helping to teach in a Dale Carnegie class. The assignment for each class member was to get up and act like a pushy, enthusiastic, over-the-top salesperson to convince the audience to buy Bizzle Soap. Now, there were a number of points that we were trying to get across with this overly enthusiastic and over-exaggerated improvisation. First of all, we wanted each person to learn to relax in front of an audience, see that they could inject excitement and could move far beyond their normal speaking and improvise and act and still be okay. It wasn't going to kill them. We also wanted people to see that some animation really helped to get the point across. The bigger-than-life actions and emphasis work better in front of an audience than a dull drone. Well, one person absolutely did not want to do it, and nothing we could say or do would persuade him. He thought he would look like a crackpot and wasn't willing to be humiliated. The whole class went a little bit sour after that. The second one was a contract with a large oil company for plant management maintenance. I was working as an instructional design contractor, and they were implementing a new plant management system to keep track of inventory. Most of this was a process, what documents got sent to who, where, and where they were checked out. The whole thing was boring. So I decided to liven it up a bit, and I put the process into a cartoon. Now, the cartoon was far more professional than the one showing on the screen. It was accurate, it was professionally done, and to give myself credit for a little sense, I had used the same technique with great success when teaching a process to programmers in a previous job. I'll never forget the look on the client's face when I so proudly showed him the animated cartoon. I think his comment was something along the lines of, "You're joking, right?" I somehow sensed this wasn't going to fly and muttered something about how a flow diagram might be better. Some of the takeaways from these particular experiences were, know your target audience. I found out then why a target audience analysis is done, and I always do an informal analysis if I can't do a formal analysis now. I learned to check my assumptions.
I don't assume that what worked with one audience will work with a different audience. I research, I check, and I double check that what you're planning will be acceptable to the client or to the instructor. And if I suspect resistance, I have a backup plan. Sometimes it's a more comfortable assignment alternative. Right now I'm having a bit of problem with a situation with the surgeons. One of the competencies for them is conducting what they call a challenging conversation. So this would be telling someone that they have a terminal illness, or telling someone that their loved one has died, or possibly a problem with a colleague. Now they need to practice, and role-playing would be a good strategy, but surgeons don't want to act in front of peers. So we're thinking of a number of alternatives, possibly getting an area of privacy, although there's a problem with getting enough private areas, or using reader's theater, where the residents are given scripts and they read these. This would put one layer of safety for them. They're actually not acting, they're only reading scripts that they're given. Only time will tell if this these alternatives would be acceptable. What if the instructor doesn't want to be creative? Well, this story is a bit more successful. I would like to tell you about training mission controllers with respect to Canada Arm 2, Canada's robotic contribution to the International Space Station. This story also involves an instructor who did not want to be creative. He just wanted to lecture. The problem was that this lesson was at the end of the course, and leaving the course, the mission controllers really needed to be able to troubleshoot any problems that might arise. Given that there were probably a million things that could go wrong, and you certainly couldn't teach everything, lecture was not going to be a strategy that would get the job done. So we, as instructional designers, insisted on a more creative scenario-based strategy. First of all, the mission controllers were grouped because they always work as a team. The lesson consisted of four scenarios. Each was supposed to be 2 hours long, so we were looking at an 8-hour day. Each scenario was introduced with some introductory text and a picture like the one on the screen, and static pictures of what their computer consoles would look like with the data that would be there in that particular situation. For each scenario, they were given a task, basically find out what's wrong and how to fix it. The mission controllers were also given resources that they would normally have access to, things like malfunction procedures, drawings, things like that. They were also given access to expert engineers, because this is exactly the kind of thing that they would have access to if they were really doing this down at NASA. Finally, the instructor had some guiding questions to get them started and to help any group who got stuck. Now, just to back up a bit, my fellow instructional designer and I had visited NASA to see exactly how the mission controllers did work, and we structured the scenarios accordingly. Believe me, I'd learned my lesson. We knew our target audience. But when it came time for the instructor to deliver the lesson to real participants, he left no doubt that he thought we were totally out to lunch. We were upstairs watching the lesson on the video camera. He stood at the podium waving papers, and he said, quite frankly, all I have here is some papers, some questions, and some scenarios from the instructional designers. I don't think this is going to work, and I think it's going to take about 10 minutes. Well, I have to say that the highlight of my instructional design career was walking around watching the teams of mission controllers who were totally oblivious to our presence. They had their sleeves rolled up, they were seriously working the problem, and then afterwards they would share their solutions and discuss the relative merits of each with the other groups. After the first scenario, the instructor came upstairs and said, I can't believe it. He said, I gave them the situation, I asked them the first question, and it was like they had the script. They picked up the questions and they went through it, and it took exactly 2 hours to work through it. And the rest of the day went really well. The takeaway from the mission controller lesson for me was to have the courage to stand firm when you know you're right, if you have the authority to do it. One of the things we could have helped the instructor a bit more with was providing rationales for him, why we were doing the things we were doing.
maybe doing a bit of role modeling and mentoring and team teaching, and any other support roles that he might have found helpful. We also learned to ensure that the instructor has the skills to recognize creative and acceptable solutions. We were very lucky in this case because the instructor was so proficient and knew so much that the very diverse solutions that the mission controllers came up with, he didn't have any trouble in dealing with them. What about cost, lack of accessibility to technology, availability of resources? Well, I don't know if you noticed, but in the previous story with the mission controllers, it was all low tech, and this was in a very highly technical environment. Part of our rationale in that case was that we had only one simulator and 4 to 5 groups, and it would have been a nightmare to try and choreograph everyone. So we analyzed the situation and decided that everything could be done on paper without losing any quality in the instruction. So here's another story, this is the last one, about overcoming one of the obstacles to creativity. A colleague and I went to work on a project in Western China to improve education there. Basically, we were supposed to teach them inquiry, a more creative instructional strategy than the current lecture mode that they were using. We did a good deal of preparatory work with the teachers. They learned about inquiry, and they developed lesson plans using the approach. Finally, it was time to implement one of the best lesson plans. So we selected one, and the inquiry question was, how can we make a machine that measures time? So my colleague went out to the classroom in Western China to team teach the lesson and to support the teacher. And this was going to be filmed for transmission to classes all over China as teacher education. Resources for this lesson were almost non-existent. Western China is very, very poor. The teachers and the students were going to have to use whatever they could scrounge up around home and in the streets. Students invented a good number of ways to measure time with these poor resources. One of the things that they came up with was a candle, using the height and diameter of a candle and the amount of time to determine the unit of time for how long it would burn. They used water dripping into a bottle. They used sand in a bottle. They used a sundial. There was a disc that would roll. The distance around the disc and a constant speed could help tell the time. They were very, very creative. Now, I say invented with quotes because, of course, all of these methods have existed, but they were new to these students. They came up with them themselves. At the end, my colleagues joked that the students would now all want to be movie actors because of the filming. No, answered the instructor. They will all want to be scientists. Some of the takeaways from these lessons. With respect to resources, don't look at what you don't have. Find out what you do have and start from there. We also found that it's useful to keep it as simple as possible. Unless learning the technology is the point, low tech and low resource use are more foolproof and more sustainable. We also found that the subject matter experts are invaluable. As you could tell from the story about the boys building the fishing village, they used an expert. The mission controllers used an expert. It's really important that people have access. Some advice, see who you have in your general acquaintance, parents, volunteers, and people that are actually in the ranks of your learners. And don't underestimate the learner's potential for learning and creativity. Even very small children can contribute super ideas. The same colleague that went to Western China and worked with me there came up with a project that worked with grade 1 children and engineers. And they came up with a water filter that could be made locally in Africa. That water filter is actually being used in at least one school in Africa now. As Einstein said, it's the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. I would add that it's also part of the art to have the courage to take on the challenges of creativity in the classroom. It's worth it. And to help remove the fears of clients, instructors, and students with respect to creativity. That concludes my talk. I'd be very interested in questions, comments,
your own personal creativity challenges and any tips that you might have to share. Je vous rappelle que pour poser des questions, vous pouvez prendre le micro ou écrire dans le clavardage. En anglais ou en français, c'est la même chose. On va essayer de, pour, si vous intervenez au micro, il va y avoir une traduction simultanée. Si vous écrivez, on peut essayer en français, on peut essayer de donner un peu l'idée générale de ce que vous voulez. Vous avez tous accès à votre micro. Je finis de vous le donner à tout le monde. Gail, if I may ask, oops, sorry. There's a question, une question ici de Paul Overy. Yes. Gail, can you see it? There's a question. Yes. How important is it to be rigorous in the problem definition to ensure effective and meaningful creativity? I would have to say, Paul, that it is absolutely critical to know what the problem is. You know, a needs analysis is really a great way of doing that, really talking to the subject matter experts. And yeah, if you get the problem definition wrong, you're going to be heading off in the wrong way. Have you come across a problem like that? Maybe you could share an example. While somebody maybe wrote a question, maybe I could ask you, Gail. You have a lot of experience. Would you think that what you were doing at the very beginning, after, let's say, a few years, does it has changed over the time, over the year? And is it because is it the context that have changed? If there's something has changed or not, or and what about your position as an instructional designer? Do you have a feeling that it is different today than it was, I don't know, 10 years, 20 years ago? Thanks for the question, Carol. I think these things that I passed on to you, these tips and things, are things that I've incorporated gradually. They're mistakes that I've made and had to correct. I definitely think that things have changed in instructional design. When I first started, no one knew what instructional design is. I occasionally get the skepticism of how do you help to design instruction for something that you don't know.
but it's less, certainly less present now. We get a lot of appreciation because I think the products that come out are far better with an instructional designer and a subject matter expertise than they are without, you know, with only one of us. And I've really seen a great respect for instructional design in recent years. I don't have to defend myself very much anymore. I noticed that Paul said that in his environment, effective prioritization of needs is seldom done, leading to ineffective responses. I think, Paul, that's so true. Like I said, to do an informal target analysis, I usually do an informal needs analysis as well. And I present this again in the, I make sure that I give people, I tell them what I'm thinking about, and they are always the ones who make the decision. But I make sure that I give people options with my understanding. And it's really amazing when I lay my ignorance out on the table, how people come out and say, oh, no, that's not what I was thinking. And it helps them to clarify their own ideas. In a lot of ways, I think I'm just a conduit for their thinking. Marcella, you said that having more time to execute the project could have helped. I also find that's another reason for keeping the resources and things simple. I usually find that, you know, when we did that grammar one, I actually gave them a word processor that I had gotten created, and there was some very sophisticated information processing, you know, in parsing the individual text and coming up with all of the alternatives for the sentences that were given that would be correct. It was just an incredibly laborious project that could have been so easy with a few other options. And so I think, you know, being creative with your instructional design and giving people the options can also help save you time on the project and energy. I really keep my clients informed every step in the way. I do storyboards. I have discussions. I show them what's possible, and really try and listen to what they're saying and what they're comfortable with. If they're not comfortable with something, but I really think that this is the way that something is going. For example, in the surgical contract that I'm working on right now, they're working with competencies, and one of the competencies that was originally put on the board was to critically review literature. And I have been told since that this particular EPA or competency was removed. Well, I haven't removed it yet. I really want to talk with all of the parties involved, because if they remove this particular competency, it actually compromises the integrity of other competencies. For example, surgeons are supposed to, when they're talking with people and doing their operations, they are supposed to use the best evidence that they can. Well, how can they do that if they can't critically review the literature and find out what the best evidence is? So if they want it removed, I will remove it. But I won't remove it until they actually know the implications and the repercussions of doing that.
Erica, you said what one challenge that you've had is a desire for technical quality. Is that technical quality in the content, the subject matter expertise, or is that in the actual delivery medium, like simulation or computer-based training? You know, it's interesting that you should ask that, because right now I've been using a product called Articulate, and it works quite a bit like PowerPoint. But before I bought it, I went and tested some of the more difficult and, you know, the more technically difficult things that it would have to do. And it would link to JavaScript, and, you know, it worked pretty well. Only to find that some of the more basic computer functions, like variable references. So for example, I was working on a veterinary contract, and it's a video simulation, and people can ask questions, and they can put in their own interpretations, and all of these are sent to the medical record in the same way that they would be if you were, you know, an actual doing a vet doing a house call. And so when they enter their information, this should be held in a variable, and it should be easy to take it to the medical record. Well, this doesn't work. So your question, yes, I have had it happen. It's happening to me right now. So I think that what I'm going to have to do is change tools, which means a huge learning curve for me and a huge bunch of work to be redone. But it's such an important part of what I'm doing that the tool isn't holding up. Julio, yes, you said quite often the biggest obstacle to creativity is the fear that the client has to the unknown and what's new. Absolutely. They're a little bit reassured if you can assure them that you've done this before. A lot of time there's a willing suspension of disbelief. Sometimes there's not. They decide to go the way they want to go. And as Marcella says, yeah, we should do our best ability to communicate our vision of the design. And really letting them know the implications. This is why I use the minimal, the optimal, and the recommended case. I tell them, and generally it's the minimal that they're going with, I tell them what the implications are. Sometimes, for example, if they want to do lecture, you're looking at having to book the lecturer, you're looking at having to get everybody together at the same place, you're looking to reproduce this every time you want to deliver the lesson, whereas the optimal might be a podcast or some computer-based training. Now, this is more expensive, but if the information isn't changing, you have it from time to time. In the long run, it probably is more cost-effective. And depending on, you know, what the situation is, I put my recommended. It's not always the optimal. For example, in the surgeons, the optimal would be to have a cadaver for each person and then do all of the different surgical operations on, you know, each person would have their own cadaver. But it's really unlikely that the school would be able to access or to afford a cadaver for each person. So in that case, I had a mixture of things that were optimal and things that were minimal, because that would be the most pragmatic thing to do. So Erica, you had said that
that you're thinking of the product that the learners will produce. The technical quality is not good enough for them, or they don't know enough. Julio, I tried the Articulate 360, which is actually fairly expensive. I think it's about $600 per year, a subscription. And I took the 30-day trial and I tried it out with those variables, and it's actually worse. It hung the entire program. I had to reboot my machine to get it going. Gilles, I noticed you said that sometimes the client is open to creativity, but the learners aren't. Boy, is that ever true? I found that one of the things that I've always tried to do is keep everyone safe. Maybe push them a little bit out of their total comfort zone, but to really give them a lifeline and design environments and things where, people aren't putting, they're allowed to save face, they're not putting themselves on the line. This is what the idea behind the Reader's Theater was, that the surgeons would be able to read a script in private. They can improvise if they want, depending on how comfortable they are. And maybe they don't want an audience, and really try and reassure them that failure is okay. In fact, failure, it's better to fail in the training than in the actual situation. Most of the contracts that I've been working on are high stakes. If people do make a mistake, someone is going to die. And so the assessments and things are designed to, if there's something you don't understand or something that you can't do, we really need to bring it forward in the assessment. But give people time to, reset their generalizations and back up and, really learn what it is that they have to learn without trying to hide anything. In the surgical course training plan I'm working on right now, there's actually four levels of assessment. They three are formative and one is summative. So they actually have three chances: one in the knowledge, one in the simulation, one as an assistant, with supervision, and finally on their own. They actually have three chances to be safe and get the instruction that they want, and we really try and communicate that to the learners.
If I may make a little comments about when we try to have the learner do, I would say we're talking about creativity, but actually it's when we try to have them to do something that is different, that is not what they are used to do. I personally, I would be curious to know what you think about that. Personally, I think what is very important in that situation, and that's what I try to do, is to explain, give the information absolutely clear, even if you are giving a little bit too much explanation on I'm sorry, I'm just lacking of words in English here, but it's the instruction or the directive that they, what they have to do, how they have to do it, why they have to do it, that must be absolutely clear, because that's exactly where they will panic, and they are not sure, and they are not sure if they understand well, etc., because it's all new, it's all very stressful for them. But if everything, if the information is clear, and that's why in those situations I make it a little bit more clear, or maybe write a little bit more information around that. So usually it helps. There's always somebody who will kind of be out and will panic about that, but at least it will be only few people, or maybe one people in the class. So for me, I find out that that was helping a lot. Absolutely, Carol. I think you're so right. And I also find out if I can't write out those instructions and directions and things like that, then I don't understand it well enough to teach it. I also give examples, and I try and give two or three examples, and the assignments that I try and make are not something that, they're open-ended. You wouldn't want to copy any of the examples, but generally I give two or three, because people tend to focus in on one and use that and generalize to that, and everything looks like that. If I give two or three, it kind of starts the creative juices working, and I start to hear people say, oh gee, I could do this, or oh gee, I could do that. And if you have your instructions very clear, you're very sure about what it is you want, I think that again is a kind of a safety net for the students. Rebonjour à tout le monde. Je crois que nous avons passé au travers l'ensemble des questions et des échanges. Merci beaucoup, Madame Kopp, pour cette très intéressante présentation sur l'enjeu que la créativité peut apporter
tant pour le client, le public cible, le formateur et les ressources. C'était fort intéressant. Nous allons maintenant poursuivre avec la deuxième présentation par Madame Carole Roy. Madame Roy est titulaire d'une maîtrise en sciences en sociologie et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie de l'information et environnement d'apprentissage de l'intellect. Elle est présentement étudiante au programme de doctorat en technologie éducative à l'Université Laval. Conceptrice pédagogique depuis 2007 pour l'Université de Saint-Boniface, Carole Roy a été auparavant responsable des sites web de cet établissement de 1998 à 2007. Présidente directrice de Contactis Incorporé depuis 2008, elle assure la bonne marche de cette entreprise qui offre des services de conception pédagogique, de rédaction et de traduction. Présidente et fondatrice de l'Association canadienne des concepteurs et des conceptrices pédagogiques, ACCP-CAID, depuis 2011, Madame Roy est aussi membre du conseil d'administration du Réseau d'enseignement francophone à distance, le REFAD, depuis 2017. Je laisse donc maintenant la parole à Madame Roy. Bonjour. Donc, je vais prendre un autre rôle maintenant et j'embarque dans mon rôle de présentatrice pour vous parler de la créativité et conception. Ben, on sait tous que pour leur travail, les concepteurs et les conceptrices pédagogiques utilisent une méthode. En anglais, on appelle ça des models. Mais en anglais, ce n'est pas des modèles, mais bien des méthodes. Et dans ces méthodes-là, on connaît tous, en fait, excusez-moi. Donc, on connaît tous la méthode Dick, Carrie and Carrie, en fait, en principe, on les connaît tous, mais il y a aussi la méthode Diamond, la méthode Levin, la méthode Bergman and Moore, etc. En fait, Gustafson and Branch en répertoriaient en fait une taxonomie et en ont répertorié au-delà de 40. Et après eux autres, il y a d'autres auteurs qui ont parlé jusqu'à 80 méthodes différentes. Aujourd'hui, on parle énormément de Agile. C'est très populaire présentement. Moi, personnellement, j'utilise la méthode MISA parce que je trouve qu'elle me permet une très grande souplesse dans le déroulement des étapes. Ça a l'air un peu complexe à regarder comme ça, mais en fait, c'est parce que tout est très souple dans l'utilisation. Grosso modo, toutes les méthodes, en fait, ont une chose en commun, c'est d'utiliser d'une façon différente les phases classiques du processus d'élaboration de projet. Et on parle ici des phases qui s'appliquent à tous les domaines, pas seulement en conception pédagogique, mais vous allez retrouver ça dans absolument tous les domaines, en informatique, en gestion de projet, en administration des affaires, etc. C'est toujours les mêmes phases qu'on utilise. Donc, on va toujours utiliser une partie d'entre elles. On écourte un petit peu le processus. Et ces phases-là, on les considère à tort souvent comme étant une méthode, mais ce n'est pas une méthode en soi. Ce sont les premières lettres du nom de chacune des phases qu'on appelle la fameuse ADI. Et ces phases-là découlent directement de l'Instructional System Design. Il y a quelque chose qui est un des premiers modèles qui ont été, ou méthodes plutôt, qui a été une des premières fois qu'on a décrit le processus en conception pédagogique. Il y a plusieurs qui proposent des méthodes qui organisent différemment chacune de ces phases-là. On a vu Agile, on a vu MISA, ça en est, mais on a aussi des principes différents. Par exemple, elles peuvent être organisées selon une structure cursive. Donc, c'est toujours les mêmes phases, mais positionnées un petit peu différemment. Ou encore, il y en a qui ont développé des modèles qui étaient basés essentiellement pour faire le design d'un cours en classe précisément. Donc, la conception pédagogique, c'est un travail systématique ou du moins dans sa forme.
C'est un travail qui fait habituellement appel à une équipe, qui se fait en équipe. Et quand on travaille en équipe, c'est essentiel d'utiliser une méthode ou, si vous voulez, une procédure qui est rigoureuse lorsqu'on travaille, évidemment, à plusieurs. Parce qu'en effet, travailler en équipe a plusieurs implications et exige de pouvoir faire une bonne gestion de temps. Mais peu importe la méthode qu'on emploie, peu importe que les ingrédients soient les mêmes, ils restent les mêmes, mais placés différemment, il reste que selon moi, une partie très importante du processus reste totalement floue, reste comme, si vous voulez, en suspens jusqu'à la fin du cours, jusqu'à la fin de l'élaboration. Puis moi, j'aime à me dire que ça, c'est la partie humaine du travail, que c'est la partie qui fait appel à la création, à l'innovation, à la sensibilité et à l'imagination, et je pense que ces ingrédients-là sont essentiels pour élaborer un bon cours. Parce que c'est ça qui va faire que chaque cours va être différent. La méthode est importante parce qu'elle nous permet un contrôle sur ce qui est constamment en mouvement. Mais elle ne doit pas devenir un carcan. Ce n'est pas une recette, c'est un guide seulement. Personnellement, j'ai élaboré, je ne sais pas, peut-être plus de 80 cours en ligne, des dizaines d'activités pédagogiques. J'ai arrêté de compter depuis quelques années. Et à chaque fois, pour chacun de ces projets, il y avait des défis qu'il fallait contourner. Et ça, c'est des défis de toutes sortes, de toute nature. La méthode, elle nous permet de voir et d'évaluer la difficulté, mais pas nécessairement de la résoudre. Au contraire. Et il faut alors à ce moment-là, voir plus loin que la méthode. Il faut abandonner le système et s'aventurer dans l'imaginaire. Si on consulte un dictionnaire de synonymes sous créativité, on retrouve plusieurs mots. Bon, il y a plusieurs de ces termes-là qui ne s'appliquent pas ici, là, dans cette situation-là, mais moi, je retiens en particulier extrapolation, idée, imaginaire, invention. Je m'excuse, je m'aperçois que la diapo, ce n'est peut-être pas tout à fait bien transmise. Parce qu'à mon avis, le bagage du concepteur ou de la conceptrice pédagogique doit contenir ces outils-là pour remplir sa mission, parce qu'il y a toujours un malgré. Malgré le financement insuffisant, malgré les contraintes informatiques, malgré les ressources humaines qui sont insuffisantes, encore une fois, malgré l'aridité de la matière, malgré les délais qui sont trop courts, et je vous laisse continuer, compléter la liste. Alors, malgré tout, on doit tout de même fournir au bout du processus un environnement efficace pédagogiquement. Mais je vais arrêter la petite réflexion philosophique et je vais plutôt essayer de vous présenter des exemples qui vont tenter d'illustrer en partie une petite fraction de cet aspect-là de mon travail. J'espère que je vais réussir. Je pourrais vous montrer et donner des exemples pendant des heures, mais je vais essayer d'en sélectionner quelques-uns. Il arrive souvent que la réalité rattachée à la matière d'un cours échappe complètement aux apprenants, et que cette réalité-là soit en fait assez difficile à évoquer. Avant d'aller plus loin, je voudrais aussi préciser que les cours dont j'ai fait la conception sont toujours des cours en ligne autoportés. Alors, ça a un contexte particulier. J'ai fait aussi des hybrides, mais je viens de commencer dans l'hybride. Mais ce dont je vais vous parler ici, ça va être des cours à distance, en ligne, autoportée. Donc, je parlais de la matière, de la réalité de la matière. Mais justement, les cours en ligne nous offrent parfois des outils qui peuvent nous aider à franchir ce genre de barrière-là. Alors, dans un cours professionnel de gestion, on a recréé un établissement dans lequel les apprenants et les apprenantes devaient se déplacer. On utilisait l'outil technique qui est déjà un petit peu vieux, mais qui fonctionnait très bien à l'époque, qui est QuickTime.
Et on avait représenté les espaces d'une entreprise et QuickTime nous permettait de se déplacer. Donc, ça permettait à la caméra de pivoter sur 360 degrés. Donc, on pouvait balayer chacune des pièces. Bon, il s'agissait d'arriver à une porte, on cliquait sur la porte pour entrer. Sur les murs, on retrouvait des calendriers, des affiches. On retrouvait des manuels dans les bibliothèques ou les étagères et on pouvait les consulter, on pouvait ouvrir les tiroirs, etc. C'est ce genre d'outils qu'on utilisait à l'époque pour visiter un hôtel ou j'ai vu ça aussi dans les musées. Il y a certains musées qui faisaient une visite complète grâce à QuickTime. Mais bon, et ça a fonctionné très, très bien. Les étudiants avaient vraiment une bonne expérience. Mais évidemment, aujourd'hui, bon, QuickTime, comme vous savez, c'est plus tellement utilisé et il faudrait le transférer avec un protocole HTML5. Mais à ma connaissance, à l'Université Saint-Boniface, on n'a pas encore fait évoluer ce cours-là vers le HTML5. Donc, en autant où je ne suis pas tout à fait au courant d'où ça en est, mais en autant où je suis. La dernière fois que j'ai essayé d'y accéder, c'était plus accessible sous cette forme-là, en tout cas. Mais à l'époque, ça avait été une excellente expérience. Il y a aussi un autre aspect qui, à mon avis, est important dans la conception de cours en ligne, c'est de créer une ambiance qui est en relation avec la matière du cours. Je fais toujours que le site, l'espace dans lequel les étudiants vont arriver, remettre toujours l'étudiant en contexte au niveau de comment la matière du cours est vraiment utilisée dans la pratique, dans la vraie vie. Je présente ici deux cours, un en traduction biomédicale et pharmaceutique et l'autre en rédaction professionnelle. Le cours de traduction biomédicale et pharmaceutique, ben, il s'agit de traduire, il s'agit de traduction de textes qui sont médicaux, évidemment, mais ici, on l'a conçu en fonction de chaque type d'auditoire. Donc, le cours est séparé en fonction des types d'auditoire et on les représente chacun dans leur contexte. Si vous avez une petite idée de quoi il s'agit. Le cours de rédaction professionnelle, ben, encore une fois, il s'agit de faire en sorte que l'apprenant et l'apprenante restent plonger dans une ambiance qui évoque le contexte d'utilisation de la matière. Et ça, moi, je pense que c'est très important. Il faut vraiment qu'il y ait ça constamment à l'idée. Et dans le cas des traducteurs-traductrices, évidemment, ils travaillent essentiellement à l'ordinateur. Mais les règles classiques de la rédaction, évidemment, doivent s'appliquer. Donc, on a quelque chose de moderne et on a quelque chose d'extrêmement classique et d'extrêmement connu. Alors, on a d'une part, des images d'ordinateur pour situer leur environnement, mais le style général qui a été utilisé, la police qui a été utilisée pour les titres, est, elle, extrêmement classique. C'est en fait ce qu'on retrouvait comme dans les premières dactylos qui ont existé. Alors, c'était une autre façon. Et puis, vous savez, dans son travail, le traducteur ou la traductrice a parfois à communiquer avec son client pour demander des précisions sur l'utilisation de certains termes. Ça, c'est dans leur pratique réelle. Dans le cadre d'un cours en ligne qui avait une composante synchrone, il fallait qu'on recrée cette possibilité-là, mais évidemment, on est dans un cours, alors il faut absolument préserver l'anonymat de tout le monde. Ce cours-là en particulier, celui que vous voyez là maintenant, était en réalité particulier sous plusieurs aspects, mais entre autres parce qu'il s'agissait d'un contrat réel avec un vrai client. C'était pas des exercices scolaires. C'est un vrai client avec une vraie commande et les étudiants faisaient réellement une traduction qui va être publiée. Donc, pour permettre le contact qui est important dans ce genre de situation-là, on a introduit un outil de clavardage. Le clavardage était possible à des périodes déterminées seulement. Évidemment, le client ne pouvait pas être disponible 24 heures sur 24, mais c'était disponible
suffisamment pour que ce soit efficace. Et cela, ça l'a permis un contact direct, le contact qui était nécessaire, direct, aux besoins, tout en préservant l'anonymat de tout le monde, incluant le client et les apprenants, évidemment. Maintenant, ça fait quelques cours que je viens de vous présenter et malheureusement, ces cours-là de traduction que vous avez vu précédemment et d'autres qui vont venir plus tard, sont sur le point d'être supprimés dans leur format actuel. Ils vont être remplacés par un environnement Moodle, parce qu'on passe directement dans l'environnement Moodle. Et pour ajouter au malheur, si vous voulez, l'USB utilise seulement les outils d'origine de Moodle. Il ne les change pas. Il les utilise tels quels. À mon avis, la majorité d'entre eux ne sont pas très efficaces, ne sont pas de très bonne qualité. Et en fait, répondent à pas vraiment aux besoins, du moins dans les conceptions. Donc, Moodle, c'est un défi énorme en soi pour offrir, d'après moi, pour offrir un environnement d'abord agréable, convivial et qui peut offrir une ambiance en harmonie avec la matière du cours, c'est-à-dire pour représenter un contexte réel et non un contexte qui est encapsulé comme par exemple l'enseignement traditionnel. C'est techniquement possible, mais il faut vraiment que votre service informatique accepte d'aller dans ce sens-là, et ce n'est pas tout à fait le cas ici. À l'USB, on priorise l'outil à la pédagogie, et ça, c'est une politique officielle. Donc, il faut faire avec. Mais, comme à mon habitude, je repousse un petit peu toujours les limites de ce qui est possible ou de ce qui est permis. Et je viens régulièrement déranger tout le monde avec des demandes qui obligent de sortir des sentiers battus ou même des sentiers permis. Je n'ai pas toujours gain, je ne réussis pas toujours à l'avoir, mais je le demande. Et puis, on verra qu'est-ce qui se passe. Et des fois, on me l'accorde. Dans ce cas-ci, pour un cours de formation professionnelle sur un sujet que je considère extrêmement aride, la comptabilité, il s'agissait de présenter le contexte dans lequel est utilisé les notions de ce cours-là, malgré le fait que le cours à distance s'adressait à trois clientèles différentes. Il y avait d'abord la clientèle régulière inscrite à un programme, la clientèle extérieure qui n'est pas inscrite à un programme et qui a d'ailleurs quitté l'école, les salles de classe depuis quelques années. Cette clientèle-là va travailler généralement dans un milieu où, avec la formation, avec le cours présenté, il pourrait avoir une promotion, par exemple. Et il y avait finalement la troisième clientèle, qui est une clientèle adulte, ou si vous voulez plus indépendante, par exemple, ça peut être un jeune entrepreneur, ça peut être quelqu'un qui s'occupe de la tenue de livres régulière d'une association ou d'un organisme, etc. Alors, pour faire cette mise en contexte-là, ce que vous voyez à l'écran, j'ai créé des bandes dessinées. J'ai modelé moi-même les personnages et un technicien m'a aidé et on a créé des meubles, on a créé des accessoires. J'ai photographié des scènes qui correspondent à un scénario que j'avais fait et qui mettaient en contexte l'utilisation de chaque notion qui était abordée dans le cours. Les personnages n'ont pas d'âge vraiment et le personnage principal, bon, même s'il était de sexe féminin, peut représenter à peu près tout le monde et a des propos évidemment tout à fait neutres. Je vais quitter la présentation PowerPoint pour une seconde et je vais vous présenter le premier épisode, ça devait arriver, voilà, juste pour vous donner une idée rapide de ce que ça avait l'air. On avait notre petit personnage qui avait été dans une bande dessinée, je pense que je peux faire ça, oui. La deuxième page, c'est un petit scénario à chaque fois. Il y a une partie de scénario qui était au début de chaque épisode et il y avait une autre partie à la fin de l'épisode qui présentait une méta-réflexion. Alors, les personnages sont en... je pense que ça devrait se terminer ici. Et à la fin, évidemment, il y avait comme... pour chaque fois, il y avait comme une espèce de synthèse de tout ça et des consignes pour la suite de l'épisode.
Je vais vous présenter aussi, juste parce que j'ai eu tellement de plaisir à le faire. Je vais ouvrir ma caméra 2 secondes. Et voilà, ça marche. Et je vais vous présenter mon personnage. J'ai ici une bonne feuille que j'avais faite pour vous donner une idée de comment ça fonctionnait. J'en avais créé, pour la salle du personnel, on avait une petite cafetière, de l'autre côté, et avec une petite cafetière ici. Pour, alors, on a tout créé, des petits instruments. J'avais aussi patenté, en bon québécois, un petit ordinateur qui n'arrête pas de tomber, mais qui est ici à peu près pour simuler un petit ordinateur dans chacun des bureaux. Et puis, évidemment, il s'agissait de les présenter dans leur bureau où ils travaillaient. Donc, ça nous prenait un classeur. Quand vous avez, quand dans votre bureau, vous avez tout le monde un classeur. Allez, chaque classe devait avoir, chaque personne devait avoir un classeur différent. Alors, pour les différencier, on a conçu des classeurs pour tout le monde. Et par la magie de la construction, on avait des classeurs différents, de différentes couleurs pour chacun des personnages. Alors, on avait comme ça. Je me suis énormément amusée à faire ça. Je vais revenir à ma présentation maintenant. C'était vraiment, vraiment spécial de faire ça. Ça m'a pris des mois à le faire, mais évidemment, ça, je le faisais sur mon temps à moi, personnel. Mais je pense que ça a vraiment valu la peine de le faire. Donc, il y a cet aspect-là. Mais d'autres exemples que j'ai à vous présenter. Vous savez, parmi les compétences qui est important d'acquérir, et ça c'est un classique, on cite très souvent les savoir-faire, les savoir-être. C'est vraiment commun. C'est un niveau d'acquisition que moi je trouve toujours difficile à aborder parce que le contexte scolaire est souvent une très très grande barrière à franchir. Et encore une fois, les cours en ligne offrent parfois des portes de sortie, mais seulement si l'équipe technique accepte d'appuyer votre imagination, accepte d'appuyer vos efforts. Parmi les cours qui vont être transférés dans Moodle, donc qui vont être perdus dans leur forme actuelle, on en avait quelques-uns qui réussissaient à aller assez loin dans la situation, dans la simulation du contexte de travail. Et là, je vous en présente deux. Évidemment, là, il s'agit de cours avancés dans les deux cas. Dans le domaine de la traduction, il est pratiquement inévitable de devoir travailler avec un autre traducteur, soit dans une entreprise privée, que vous travaillez en cabinet, dans un organisme gouvernemental ou même comme pigiste. Dans pratiquement tous les cas, c'est la norme de faire réviser sa traduction par un ou une collègue. Alors, il y a toujours une remise, un petit peu une remise en question ou un questionnement à tout le moins sur une traduction, ce qui implique de savoir accepter des commentaires et de savoir comment les présenter. Dans ces cours-là, on avait conçu un cabinet de traduction avec une directrice, un superviseur, des stagiaires, des nouveaux employés selon le scénario. On n'y retrouve pas de rubrique, on ne retrouve pas non plus de module. D'ailleurs, je n'utilise jamais des modules dans les cours que je design. Mais on retrouve des salles, des centres de documentation, des tableaux d'affichage, un contrat de service, etc. Les élèves doivent aller chercher les outils et les renseignements dont ils ont besoin et organiser leur horaire et leur espace de travail en fonction de la liste des tâches qui correspond à l'emploi qui leur a été assigné. Ces cours-là fonctionnent très, très bien et permettent d'acquérir des compétences visées et de l'expérience pratique. Tellement qu'il y a des étudiants qui venaient juste de graduer et ont réussi des entrevues, vous savez, c'est pas toujours évident de se présenter en embauche, et ont réussi à se faire embaucher sur alors qu'il y avait, je ne sais pas, 50, 60 concurrents, et l'employeur avait basé sa décision sur l'expérience qu'elle avait, mais son expérience ne venait que des cours. Donc, de façon générale, les étudiants étaient très satisfaits, même s'ils travaillaient beaucoup, mais c'était quelque chose qu'ils trouvaient très enrichissant.
En somme, pour moi, la conception pédagogique, ça implique de faire appel à la création de différentes façons, soit pour le concepteur, soit pour l'étudiant, de jouer tout le temps avec ces éléments-là. Si les ingrédients, même si les ingrédients sont toujours les mêmes ou à peu près, en termes de design, en termes de comment on travaille, ça requiert toujours une mise en scène différente parce que ça correspond à un contexte de travail différent, à une mise en pratique différente. Et c'est ça. Et ça, à mon avis, c'est très important de tenir compte. Pour terminer, je vous invite à poser des questions, bien entendu, mais j'aimerais aussi savoir ce que vous en pensez. En bien ou en mal, on est là pour partager de toute façon. Alors, je vais vous voir. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et évidemment, je vous invite à partager vos expériences. Je vous rappelle que vous avez tous accès au micro présentement. Vous pouvez l'utiliser directement ou utiliser le chat. Michel demande pourquoi. Oups, une seconde. Have you found any tool that replaces the QuickTime functionality? Le QuickTime peut être réaménagé. En fait, il y a de la programmation HTML qui est simple à utiliser. Il suffit d'incorporer le QuickTime dans des balises HTML5 pour que ça fonctionne. Alors, en soi, le QuickTime fonctionne toujours, mais il faut évidemment adapter la référence à l'intérieur des codes web pour la faire fonctionner. Et ça prend une programmation HTML5 peut-être un peu avancée, là, mais ou non, c'est tout à fait possible de cette façon-là. Donc, Michel me demande pourquoi je préfère la méthode MISA aux autres. Ce n'est pas que je la préfère, c'était ma formation. Mais c'est surtout que bon, j'en ai vu quelques-unes, j'ai consulté quelques autres méthodes et définitivement, je trouve que la mise en me permet justement d'être excessivement souple sans jamais perdre le contrôle. Ce que je veux dire par là, c'est que avec MISA, on peut en fait commencer à n'importe quelle phase et on n'est jamais perdu, on est toujours en plein contrôle du design. Donc, parce que je me suis aperçue avec le temps qu'il y a des personnes qui sont des créateurs de contenu qui veulent absolument commencer, par exemple, avec les labels, hein, le média. On va leur faire, on va mettre tel module, ça va être, on va faire telle chose, ça va être le fun, ils vont utiliser tel média, ils vont utiliser tel outil. Alors, on va commencer par ça, c'est absolument ça qu'ils veulent. Mais ça vient normalement pas au début, ça vient plutôt à la fin, mais la méthode MISA permet d'aller et de faire des allers-retours constants entre chacune des phases. Donc, ça n'a pas de
ça vous permet quand même d'avancer très bien, d'avoir une progression très harmonieuse, peu importe comment vous allez le fonctionner. Alors, évidemment, je suis habituée aussi à Lisa, c'est ça qui aide beaucoup. Donc, c'est un petit peu pour ça que j'ai adapté assez rapidement la mise. Donc, Marcella nous dit que I also believe that the graphic point is important. Yes. OK. Pour répondre, pour ajouter un petit peu à ce que Marcel a dit, je pense que définitivement, c'est très important. Ça nous plonge dans une atmosphère qui est importante parce que ce que j'explique toujours aux experts de contenu, à tout le monde, en fait, c'est que à l'expert de contenu, là, vous êtes pas devant l'écran, vous êtes plus là, là. La seule chose qu'il y a qui est en contact avec l'étudiant, c'est l'écran. Donc, c'est l'écran qui doit amener ces ambiances-là, qui doit amener les étudiants dans ce contexte-là. Et effectivement, ils vont pouvoir à ce moment-là reconnaître les contextes, même s'ils sont devant leur écran à ce moment-là. Mais quand ils vont arriver, je suis d'accord avec Marcella dans ce deuxième commentaire, quand ils vont arriver en contexte, ils vont au moins reconnaître l'aspect général. Boriana dit, d'accord, ça doit être à chaque cours impossible d'avoir deux cours pareils, effectivement, puisque c'est jamais le même expert de contenu et c'est jamais non plus la même matière. Et même si c'était un petit peu la même matière, probablement que ça ne s'appliquerait pas de la même façon. On ne parle pas de la même pratique professionnelle. J'ai fait, moi, deux cours, c'est assez bizarre parce que j'ai fait deux cours justement en comptabilité, de comptabilité, mais qui étaient à des niveaux différents, qui appartenaient à des programmes différents, mais c'était la même expert de contenu dans les deux cas. Et on a fait deux cours, mais complètement différents. Parce que ça ne s'inscrivait pas dans le même cursus du programme. Ce n'était pas le même programme, ça n'avait pas tout à fait la même visée, même si c'était la même matière, mais ça visait des activités professionnelles différentes. Un était beaucoup plus avancé que l'autre, par exemple. Donc, automatiquement, on devait adapter, on devait modifier la présentation, on devait modifier le contexte dans lequel ça va être utilisé. Alors, tout ça nous a donné un cours, mais qui a deux cours qui sont mais complètement différents l'un de l'autre, même s'ils portaient exactement sur la même matière.
Alors, merci, Carole, pour cette présentation d'univers simulé, cette mise en scène pour rapprocher les apprenants de leur contexte de travail. Je crois que la créativité se manifeste autant dans la conception de ces environnements que dans ce que les apprenants pourront en faire. C'était bien intéressant. Alors, en guise de mot de la fin, je prendrai quelques minutes pour remercier chaleureusement Mme Kopp et Mme Roy pour leur présentation et vous dire quelques rappels. J'aimerais vous rappeler que le prochain atelier de la série 6 se tiendra le 20 février 2018. Également, la classe de maître « Concevoir une approche par investigation pour l'apprentissage hybride et en ligne » sera offerte le 24 janvier 2018. Enfin, j'en profite pour vous rappeler qu'il vous est toujours possible de lancer un appel à tous avec l'activité Tous pour un. L'enregistrement de cet atelier sera rendu disponible à tous les participants dans quelques heures et je vous remercie toutes et tous pour votre présence aujourd'hui et votre contribution aux échanges. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle période des fêtes. Merci beaucoup à tous. Au revoir et à la prochaine. Je pense que l'interprétation fonctionne toujours. Je vais juste prendre 2 minutes pour répondre à Marcella. Pour dire que le concepteur pédagogique, à mon avis, n'a pas besoin d'être un expert en graphisme, mais il doit être capable de comprendre un petit peu les principes du graphisme et pouvoir donner les idées conceptuelles que le graphiste doit pouvoir faire. Si on n'a pas ces possibilités-là, il y a toujours un moyen, à mon avis, de réussir. Il y a surtout aujourd'hui des images. Moi, c'est l'ensemble du site que j'illustre, mais il y a certainement des images qu'on peut aller chercher. Il y a des fois des choses beaucoup plus arides, comme par exemple, quand on utilise Moodle, bien, on ne peut pas tout transformer. Donc, j'essaie de me rattraper d'une autre façon en insérant des illustrations ou en insérant des façons d'écrire ou des façons de présenter ou de parler même. Parfois, ça peut être juste avec en utilisant une métaphore qui ramène tout le temps le contexte. Donc, c'est à peu près ça. Je vous remercie beaucoup tout le monde et à la prochaine. Je voudrais juste finir en disant que si vous voulez communiquer avec moi et gênez-vous pas, soit à l'association, qui est toujours accessible, à l'adresse principale de l'association, vous allez pouvoir me rejoindre. Alors, merci à tous.